Madame, Monsieur, bonsoir. Après le Tangemed, voici le Nador Westmed. Le nouveau complexe portuaire du Nord devrait être implanté sur la baie de Ptoya. C'est en tout cas ce que prévoit le projet examiné par Sa Majesté le Roi lors de la séance de travail qu'il présidait à Nador. Le souverain qui a demandé que le chantier soit engagé dans les meilleurs délais. Reportage Mehdi Sofiane, Hamida Merbouh et Mohamed El-Bedaoui. C'est un projet de grande envergure pour la façade méditerranéenne. Un important complexe portuaire sera réalisé sur la baie de Ptoya, à 30 km de la ville de Nador. La séance de travail, présidée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, a été consacrée à la planification des aménagements portuaires du pays, ainsi qu'au lancement de Nador Westmed, une infrastructure dotée d'une plateforme industrielle et d'un pôle énergétique. Le complexe pourra traiter les activités diverses commerciales telles que les hydrocarbures, le stockage et la distribution des hydrocarbures, ainsi que le transbordement de conteneurs sous la même forme que ce qui existe à Tangemed. Le complexe sera situé à l'ouest de Nador, un emplacement privilégié sur le plan du transport maritime, à même d'attirer les investisseurs et d'accueillir la future zone franche de Nador Westmed. Il est aussi prévu, vu les disponibilités foncières qui existent aussi bien publiques que privées dans cette zone, de créer une zone franche sur plusieurs centaines d'hectares dans un premier temps qui sera étendue par la suite pour pouvoir attirer des investissements et créer plusieurs dizaines de milliers d'emplois dans cette région. Nador Westmed sera un important levier de développement pour la ville de Nador mais aussi pour toute la région. Le complexe portuaire devrait d'ailleurs être relié au réseau routier, autoroutier et ferroviaire.